qui sous groupe moun ki sou groupe Potomitan yo nou wè ke gon extension. So, se yon plezi pou nou gen Dr. Mathurin avè nou la pou pataje nouvel informasyon konsernan zon franche lan. Ansuit, nap jambe tou, on lot informasyon trez important ki yon apel revè la kanyo Haitien ki kanal lan. Nou rele l kanal Potomitan ou biye kanal Wanamet. Men an komanse Dr. Mathurin pa pataje nouvel informasyon sou proje zon franche lan avè nou. Dr. Mathurin? Docteur Mathurin. Oh. Docteur Mathurin, il n'est pas attendu de nous. Et bon, nous connaissons que c'est seulement nous avons un contrôle sur lui, la nature et la technologie. Et moi, je suis sûr que Dr. Mathurin Koul qu'attendait, là, commencer à parler avec nous. Dr. Mathurin, par contre, sous-tendez-nous bien, moi, bon, la parole, lui. Bon, un petit message pour lui. Ouais, là, oui. OK, Dr. Mathurin, moi, dis tout le monde bonsoir. Moi, dis tout le monde que. Nous avons une nouvelle information parce que nous avons pression. Dans les derniers jours de septembre, nous tout est sous pression parce que le gouvernement a signé pour nous projet de zone franche qui n'est pas fait. Mais nous avons de nouvelles informations sous projet ça et que c'est un plaisir que tout le monde soit là avec nous. C'est une conversation qui est importante pour nous tous Haïtiens. Donc, pour partager nouvelles informations avec nous sous projet de zone franche. Donc, tu as la parole. Problème. Docteur Mathieu, nous partons d'or. C'est tombé, moi, là, pour monter la cognac. Ok, là, bon, nous connaissons encore, j'aime dire, nous pas qu'à contrôler la nature, nous pas qu'à contrôler la technologie. Il y a de la technologie, même la nature, il y a de la très capricieuse et puis on pas collaborer avec nous. Donc, s'il vous plaît, on petit patience pour qu'attendez Docteur Mathieu. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Alexandre. Et c'est moi qui mettait nous en ordre là, qui venait moi et puis qui fait communication. Et donc, moi, souhaitez nous toutes et nous allons passer un petit moment ensemble là, pour nous faire le point. Sur deux thématiques, et c'est à la fois la question des informations sur la zone franche, mais également, c'est pour nous tout garder sur la question de canal Potomitan, et notamment l'ouverture de un groupe, en fait, un compte et GoFundMe, canal Potomitan, pour nous partager des informations sur ça ensemble. Et avant même que nous commencions, je souhaite bienvenue à plusieurs et frères et sœurs qui sont dans le pays, dans la diaspora, qui quittaient tout ça que tu as fait après-midi pour passer temps ensemble avec nous, de façon à ce que nous puissions partager et faire une mise au point d'informations qui sont disponibles sous projet et zone franche, Oasis Village International et dans le niveau commune de Ferrier. Un département du Nord-Est. Et projet ça, nous songeons que son projet, nous-mêmes, et société, une société haïtienne qui est ADI SA. ADI veut dire Haïti Développement Industriel International SA. Nous faisons un partenariat avec un grand groupe d'investisseurs étrangers. Et qui basé en Espagne, mais qui est présent sur les principaux grands marchés du monde,
notamment dans le domaine des produits miniers. Et donc, le partenariat ça est censé conclure depuis le 30 septembre 2022 et qui était censé bailler partenaires étrangers hein, la responsabilité pour que l'immobiliser et à la fois des investisseurs et les 100% de investissement que nous avons besoin pour nous démarrer et projet. Et parallèlement, et partenariat, ça fait de nous-mêmes, qui c'est entreprise haïtienne et ADSA, et une responsabilité pour que nous sommes capables et mobiliser les ressources et les moyens et tout et prendre tout contact qui est nécessaire pour que nous sommes capables de joindre toutes les autorisations de l'État haïtien. Et de façon à ce que, une fois nous gagnons autorisation de l'État haïtien, et avis favorable sortant de l'État haïtien, à partir de ce moment-là, eux-mêmes, il y a qu'à intervenir pour mettre investissement à terre. Je rappelle nous que le projet initial que nous signons avec les groupes étrangers, c'est un projet qui gagne 18 et 19 entreprises. Et qui signe un avis favorable, s'il vous plaît. Et monde qui fait monter là, si vous êtes capable de fermer le micro, il y a un peu le micro qui est ouvert. Fermez le micro pour nous, s'il vous plaît. Parce que nous avons plusieurs voix, plusieurs sons qui sont mélangés là. Merci infiniment. Et donc, nous créons un partenariat et nous mettons partenariat en place. Document initial de projet rédigé et document ça a eu depuis un an. Nous avons discuté avec Direction générale des zones franches et depuis le premier jour du mois d'avril 2022, officiellement nous rencontrons avec ministre Commerce et Industrie qui ben nous et avis favorable et qui aborde nos projets. Nous parler avec le ministre de l'économie et des finances qui ben nous tout avis favorable et qui monte à bord pour aider nous promouvoir et défendre nos projets. Mais il y a des bagailles tout sur le terrain que le projet ça a déjà réalisé. Toute consultation avec acteurs locaux, que ce soit des acteurs, des élus et des communautés du Nord-Est, nous toucher tout le monde ça. Nous touchons la Chambre de commerce du Nord-Est, nous touchons toutes les autorités civiles et politiques qui sont dans le département. Et nous également connaissons et identifié sites côté que le projet a pour l'installer. Et sites, ça a tout, pas de problème sur eux. Que ce soit 250 hectares qui n'ont pas de casse et que ce soit les 2500 autres hectares qui est toujours sous territoire affilié, mais qui n'a des racks et qui allait jusque à la baie de Mancenis. Et toute propriété, ça, c'est des propriétés qui appartiennent à l'État haïtien. C'est des propriétés qui n'ont aucune production utile qui fait sous eux depuis plus passé 50 ans. Donc, c'est des propriétés qui n'ont pas rapporté un goud au trésor de l'État et qui n'ont plus répondre à aucun besoin des mondes qui vivent sous commune Ferrier et ni sous commune Fort Liberté ni sous commune Wanamet et en général n'y pas répondre à aucune utilité pour aucun haïtien qui vit dans le département du Nord ou du Nord-Est pays d'Haïti. Bien, ça nous identifier parce que 250 hectares qui m'ont cassé là, direction zone franche, dit nous li mettez ça à disposition nous déjà, c'est point de départ pour nous démarrer projet. Mais m'a dit nous que 250 hectares pas même qu'à servir pour entreposer les minerais qui déjà traités et qui prêtent à être raffinés par raffinerie Calvin là. Imaginez que partenaire ça il y a 38 millions de tonnes métriques de minerais qui déjà fin traités déjà et qui attendent pour rentrer dans le système de raffinage. Donc et il dit nous que 250 hectares que et nous capables de joindre de la qui disponible déjà de la part de zone franche direction générale de zone franche là n'a pris parce que c'est point d'entrée hein, mais les 2500 hectares qui disponible tout non et non des RAC
pour aller jusqu'à Baie de Monseigneur là. Et ancien fermier qui te gagné droit sous propriété ça, et nous faisons un partenariat avec lui, transférer droit ça à nous, qui va le permettre que automatiquement que nous gagnons main levée de gouvernement, n'a pas gagné pour nous payer pour faire appantage non seulement 250 hectares, mais tout n'a bien pour nous faire appantage 2500 hectares ça en plus. Et 2500 hectares ça est extrêmement important parce que c'est terrain ça qui sortit de l'Irak, Kalfini, dans baie de Manseni. Et si nous avons songé dans le mois d'avril, nous avons fait une petite vidéo sur terre ça. C'est sous partie 2500 hectares, c'est sous zone ça à côté que nous avons fait vidéo ça parce que c'est lui-même qui bat dans la baie de Manseni et ses portes d'entrée pour installation zone franche. Et en marge de vidéos et de documents qui ont circulé, il y a plusieurs questions qui étaient posées, et à la fois sous question environnementale, à la fois sous question éventuel conflit qui a gagné avec Dominicain, parce que quand il y a haïtien qui pensait que toute baie de Monseigneur, c'est pour Dominicain lié, etc. Donc, nous avons porté explication sur ça, et notamment, nous avons profité pour dire à frères et sœurs haïtiens que nous demander au gouvernement haïtien pour te bonne autorisation pour nous faire une zone éco. Docteur Mathieu, on sous-mute. Allô? Nous bon. Oui, allô? Oui, nous t'entendons, Kounia. Ça va. Nous demandons et gouvernement haïtien pour bail autorisation pour nous faire une zone économique spéciale. Le problème, c'est parce que la loi haïtienne n'a pas qu'en existence concept ça et mécanisme d'investissement qui est associé à concept ça. Donc, et loi 2003 pas permettre que ça fait. Loi 2003, c'est zone franche seulement qui permet que nous fait. Et l'aime te parler avec Direction générale zone franche et ministère du Commerce et de l'Industrie. Je te dis que, et Dr. Mathurin, commencez par faire zone franche. Et puis, pendant zone franche à mettre en place, pour négocier et peut-être aider l'État haïtien à monter une loi qui va permettre que d'y accueillir des zones économiques spéciales. Donc, la réponse que nous avons portée par des gens, peut-être qui t'a intervenu sur le groupe Potomitan, nous avons dit que zone franche, ça, ils sont zones franches qui sont faites selon les normes les plus avancées en matière de durabilité et de protection de l'environnement. Et donc, parce que zone franche, ça, nous allons gagner pour nous développer à côté li et en extension de li, la ville est de dernière génération qui s'y va permettre que nous et créer zone franche, ça, et zone économique spéciale. Comme dis-nous qu'une zone économique spéciale, c'est une ville moderne avec un ensemble d'infrastructures industrielles, économiques et de services qui lui-même, d'Agadir, a constitué une place de marché mondial. Donc, on l'a, m'a retourné, vient parler nous, de zone économique spéciale Oasis Village. Là. Donc, ça m'appelle partager ensemble avec nous là pour le moment, c'est le projet et l'état d'avancement de dossier zone économique spéciale là, et dossier zone franche Oasis Village, là, qui lui-même, la situation est encore assez fragile. Qui s'est passé? Du 30 septembre 2022 au 30 septembre 2023, fait nous un an depuis nous avons signé un partenariat avec le groupe investisseurs étrangers. Et normalement, après un an, partenariat, ça a été signé, il a tombé dans l'eau, si d'aventure, nous n'avons pas gagné autorisation de l'État haïtien pour nous mettre à terre. Nous, tout qui là, connaît que investisseurs étrangers, par exemple, a perdu à monter et descendre dans des gouvernements, dans l'État national. Donc, eux-mêmes, ils mettaient un partenariat avec nous. Nous avons tous les pouvoirs de négocier. Et d'ailleurs, la zone franche, Oasis Village, là, c'est sous nom société haïtienne que nous allons établir. Donc, la zone franche sera une zone franche haïtienne. Les capitaux qui vont être investis dedans, investissement étranger, qui va le faire là dans l'eau, à l'étranger, mais en investissement globalement là, haïtien, parce que compagnie qui gagne partenariat, ça, sont compagnies haïtiennes à 100%. Et bien content gagner de et actionnaire même fondateur de ADSA qui est présent ensemble avec nous là aujourd'hui. Nous et négocier nous t'as mettez pressing et de mois de juillet et jusqu'à la fin du mois de septembre auprès du gouvernement haïtien pour te répondre
et dit nous qu'il s'est décidé de faire. Il n'a pas de gens me répondre. Et finalement, m'obliger à repartir à l'étranger pour aller renégocier, aller jouer avec Mounio. Et premier, ça qui vient comme message intéressant, c'est que et groupe d'acteurs, nous, ils veulent jouer en tant ensemble avec eux. Ils ont octroyé nous un supplice de 90 jours, donc 3 mois, et durant lesquels nous avons possibilité encore de kembe investisseurs sahariens, kembe développement sahara pour département du Nord-Est. Mais tout en plus de ça, ils ont rappelé moins que nous t'ai entendu, nous avons fait 19 entreprises et 19 entreprises t'ai fini entendu qui a venu installer ici. Mais nous remarquons que ce qui est nécessaire dans l'environnement, côté que genre d'entreprise a été installé, et vous remarquez que le service n'est pas disponible en Haïti. Donc, il faut que vous invitez entre 5 et 7 autres entreprises qui ont fourni nous service. Par exemple, et pour question port qui pourra acheminer et faciliter débarquement et matériaux, équipements et minerais qui peuvent travailler, notamment dans et raffinerie. Donc, pas de port, donc, obligé de mener un gros opérateur portuaire qui lui-même capable non seulement de construire port de débarquement de Baïsa, mais qui envisageait tout pour nous tout négocier pour lui, un grand port au commerce. Donc, et nous gagnons entreprise ça. Une deuxième entreprise, c'est de rendre compte que pas de produits pétroliers dans la zone. Donc, il dit, nous, comme nous avons tout gagné un port, donc, il y a une possibilité pour mener un acteur dans le secteur pétrolier qui lui-même est capable d'installer une capacité pour non seulement et permettre que l'entreprise n'ait pas besoin de produits pétroliers dans une zone franche dans Joigny, mais il est capable de faire une station internationale pour permettre que nous fassions des produits pétroliers arriver dans le pays et nous connaissons que il y a 30% de PSAO qui est capable d'écouler en Haïti. Et je vais faire un petit point avec nous après sur l'aspect 30%, ça a tout, parce qu'il faut nous connaître comment l'environnement industriel de l'IA fonctionne. Même gens pas de gaz. Et nous connaissons que bon paquet d'activités des entreprises qui vont travailler dedans, ont besoin de gaz et gaz liquide. Et étant donné que pas gagné, et comme nous avons bien pouvoir, il y a possibilité pour que nos opérateurs dans le secteur gazier viennent installer tout pour servir zone franche là et en même temps servir au marché national là jusqu'à hauteur de 30%. Pas de banque banque ni US et permettre que les répondre à besoin d'entreprise, mais tout est à possibilité que le cas écoulé par les pays et une quantité de services parce que dans niveau zone franche qu'on va l'installer. Il y a tellement besoin de services et pour que d'autres entreprises qui ont installé en dehors de zone franche produisent services à eux et exportent eux vers zone franche. Donc, c'est de grandes opportunités d'affaires. Donc, ils disposent tout pour qu'ils soient capables de mettre 30% de finances qui viennent avec l'IA à disposition de régions. Maintenant, ils ont remarqué, si nous regardons dans la région, dans le département du Nord-Est, là, pas gagné et une machine automatique de distribution de billets de l'argent. Si nous avons besoin dans la région Nord, c'est seulement au Cap-Haïtien, on a besoin de 2 ou 3 machines et de distributeurs de billets et ils sont pas capables, très souvent ils sont en panne. Donc, le système bancaire qui a été installé là lui-même, il y a possibilité pour que les tout développer un réseau de ATM et au niveau de région. Docteur Mathurin, message entrecoupé, sous ka reprendre pour nous. Message entrecoupé, ne pas attendre, sous ka reprendre pour nous sortir. À partir de qui côté nous y avons coupé? À partir de Paguen, en pile ATM, accessibilité à ATM Ah, dans le département à côté. OK. Non, système banque Capvin là, comme une compagnie dans 19 compagnies qui c'est ATM machine et toute bagaille automatisation pour entreprise la vin assemblée. Donc, un partenariat entre compagnies ça qui établit pour que yo fait un réseau
de ATM dans toute commune yo, et qui va le permettre que, parce que en pile employé dans zone franche là, en fait tout employé dans zone franche là, il pas toucher l'argent ni par chèque ni par cash, et il pas toucher l'argent ni par caisse et ni par chèque ni par cash. Et à approvisionner compte directement. Donc, tout employé qui est dans la zone franche a doté d'un carte de crédit et d'une ligne de crédit bancaire. D'où l'importance de système de Nous partons encore, ou pouvez prendre à partir que Docteur Mathieu, nous Allô? partons encore. Kou ni entendons, ou ap di nous dernier phrase là. Oui. Important, c'est TM qui gagne parce que employé ou c'est pas chèque. C'est déposé, direct déposé, ou pas le fait pour eux. Direct So, comment déposé TM est important? sur compte bancaire et employé. Yo. Et donc, employé, il faut qu'il y ait de ATM machine qui détenne dans tout le territoire qui pourra permettre qu'il fait ça. Et vous comprenez bien que, comme un fabricant d'ATM capable dans zone franche, capable de fabriquer équipement pour exporter. Donc, il y a 30% dans l'équipement SAO qui est capable d'écouler dans le pays, qui peut permettre que dans chaque département qui concerne, on a parlé de 5 départements et qui constituent la région nord, là, il y a possibilité pour que gagner d'Acadie 5 licences et une par département pour des opérateurs économiques de la région et capable d'acheter licence SAO et assurer réseau SAO. Et comme pour faire fonctionner banque, ATM, il faut que les télécommunications fonctionnent bien. Et remarquez que dans la zone, il n'y a pas de télécommunications, en plus monde dans la zone. Il y a deux sociétés dans le pays, il y a qui s'appellent comme Digicel, sont les conseils au service, et en plus monde, c'est Saint-Domingue, il y a un signal. Donc, grosse société de téléphonie qui a installé en dedans, pas là, parce que, en dans zone franche, parce que, ou pas capable de fonctionner à un niveau ça avec un bail mondial, et puis pour pas gagner technologie d'information et de télécommunications. Donc, une société qui lui-même existait déjà et qui est capable de venir avec un réseau satellitaire et un réseau de fibre optique sous-marine. Et qui lui-même va synchroniser avec système bancaire et système réseau ATM, non? Mais en plus de ça, en mesure de rendre service ça disponible à l'échelle de département, de 5 départements qui constituent la région. Maintenant, et compagnie ça a pas de compagnie initialement que tu prévois pour venir dans zone franche là. Parce qu'en général, ça me dit nous là, ça aurait les environnement productif entreprise. Et il se trouve que l'environnement productif pas existé dans la région nord là, je veux dire. OK. Exemple, si vous nous avez débarqué équipe, ma bon exemple, une seule compagnie qui a bien fait raffiner et produits et l'or et minéraux. Compagnie, ça a commandé pour 5,5 milliards de dollars d'équipement. Équipement, ça a fin préparé déjà. Et équipement, ça a livré pour compagnie déjà au Mexique. C'est 78 conteneurs de 40 pieds, c'est-à-dire 78 gros conteneurs. Donc, on imagine que les abdines mènent équipement ça, malheureusement, nous allons utiliser le port du Cap-Haïtien pour nous recevoir équipement. Et les premiers équipements qui arrivent tout pour venir travailler sous terminal portuaire là, c'est soit c'est des bateaux qui arrivent directement dans la baie de Mancheny et qui peuvent faire travailler ça. Parce que si nous avons fait ça, utiliser le petit port du Cap-Haïtien, il a bloqué le fonctionnement de la ville là carrément. D'où et ça et permettre que nous gagnions un peu l'espoir. Retourner dans le pays depuis semaine passée et nous recommencer les prises de contact avec des monde et proches de gouvernement et notamment des monde qui est proche de Premier ministre Ariel Henry et pour nous voir est-ce qu'ils sont capables de faciliter nous et nous main levée pour que nous puissions retourner bon côté investisseurs étrangers. Et parallèlement à ça, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, ça, mais c'est que la société ADI SA, qui sont ses partenaires, qui portent le projet, qui sont société panouan, bah, ça a déjà coûté nous en pile cop déjà. Donc, ça qui a passé à là, et nous expliquer à une série de monde, et lundi passé,
il y a un homme qui a reparlé avec le Premier ministre pour dire, est-ce que le courant de projet? Le Premier ministre a dit, oui, il y a au courant de projet. Et il dit, projet, ça a intéressé l'Empire. Et que le projet a intéressé l'Empire, mais que il est trop pris dans le bagage politique et que il n'est pas capable de temps, mais que il espérait qu'il est capable de parler ensemble avec nous. Mes amis, frères, dis-nous que nous mettons-nous disponibles en PIA et à disposition de l'autorité PIA, d'agir 24 sur 24 et chaque jour de la semaine. Parce que il suffit que les ventes droite et que M. a dit oui, à partir de ce moment-là, nous connaissons que avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de l'Économie, il a fixé une date très rapide pour faire assembler zone franche et pour voter et résolution ça qui autorise nous installer projet. Moi-même, c'est ça seulement m'attendre. M'attendre ça pour me capable de dire acteurs partenaires étrangers et dépêcher parce que nous avons souhaité dans 3 jours, dans 3 mois, ça a été qui déjà pratiquement commencé depuis le 15 octobre. 3 mois à commencer. Et nous te souhaitons que dans 3 mois, ça, nous avons non seulement fait un avantage et nous avons payé location annuelle pour terre que nous avons mis à disposition, mais nous avons fait toute pause première pierre et pour lancer le projet officiellement. Donc, et nous arrivons dans ce stade ça, nous continuons à travailler sur le projet et zone franche. Et semaine ça a venir là, nous avons un ensemble de mobilisation qui a fait dans le département Nord-Est. Nous avons aller personnellement, nous avons aller en roi. Nous avons aller pour nous faire avec l'Université de Limonade une conférence sur et rôle zone franche ça a jouer comme intégrateur régional parce que nous avons remarqué que tout service ça que département et région pas gagné. C'est le département que tout citoyen, certains dans le pays, certains diaspora, a souhaité qu'il vive dans le département. Mais en plus de ça, par contre, si nous avons une idée de tout service capable de produire dans la zone franche, 30% là-dedans à la disposition des opérateurs économiques qui sont en dehors de la zone franche dans le pays. Ça veut dire que bon quantité haïtien, bon quantité business qu'ils ont souhaité faire, bon niveau de business qu'ils ont souhaité faire. Le fait qu'il faut aller chercher produit ou bien faut investir eux-mêmes pour mettre tout service à pour faire li, il n'y a pas qu'à faire. Bon quantité de monde nous connaît qui bâtit de très bels hôtels, mais prix carburant seulement fait que l'hôtel n'y a pas qu'à fonctionner. Bah ben parler pour des monde qui a besoin d'électricité, qui besoin de télécommunication, qui besoin de crédit, mais tout qui besoin de marché. Parce que imaginons que zone fait ça. Il y a 19 entreprises qui ont installé là-dedans. Mais il y a 16 000 emplois directs et il y a plus de 80 000 emplois indirects qui ont découlé de ça. Dans 16 000 emplois directs, il y a 3 000 emplois pour des étrangers que la compagnie a venu avec eux et il y a 13 000 des nationaux en deux pays tant qu'on est en diaspora. On nous pose une question, côté Mounsa, qui sa moun sa ou pral manje? Qui ambiance de détente que moun sa ou pral besoin? Et qui jen ou pral transporter moun sa? Etc. Donc, c'est pour dire nous que là où mène des business dans le niveau ça, dans la région, ou pral comprendre pour qui ça fait potomitan qui appuie mon pile dans tout travail. Docteur Mathieu, on déconnecté Ah, encore, recommencer pour nous après Potomitan qui a appuyé en pile et puis nous partons des restants. allô, allô? Oui, Est-ce... Kounia nous tendons, mais communication t'est coupée ou dit Potomitan qui a appuyé en pile et puis nous Potomitan porté sous Dolly ensemble avec nous. Et m'a dit nous que les Potomitan t'est lancé lettre ouverte, demande de signature d'appui. On lettre qui vient qu'on y a plus de 5 000 monde qui signent. Et ça a encouragé nous en pile pour nous rendre compte que ça pays a rencontré comme défi, si pas des organisations de la société civile, tant que Potomitan, et tant que plusieurs groupes dans la diaspora, en pile moun au Brésil, en pile moun au Chili, en pile moun en France, en pile moun aussi aux États-Unis et même en République dominicaine, qui suivent l'initiative, ça a fait bruit pour permettre que l'autorité comprenne que sa politique. Et loi pays a autorisé nous, quel que soit le régime qu'il a,
Pendant que nous avons boumé pour changer de régime, ça va empêcher que les gens vivent dans le pays. L'investissement, ça va aller au-delà de notre gouvernement. Donc, nous poussons, nous continuons à pousser chaque jour pour que nous soyons capables de gagner autorisation. Donc, et pour nous tenter d'aider, nous supporter, bah, aujourd'hui. Et donc, c'est parce que nous avons un travail et opportunité qui non seulement a bien dans la zone franche, mais c'est effet de développement que un tel projet est capable d'entraîner sur toute région nord pays. Maintenant, et nous arrivons dans ce stade ça, nous avons continué à négocier auprès du gouvernement pour nous le plus rapidement possible, que le Premier ministre Ariel Henry a recevoir nous, et nous avons espéré que le plus rapidement que ça a fait. Donc, en semaine qui vient là, nous avons continué à sensibiliser, mobiliser le monde, nous avons bien pour nous rencontrer avec les deux chambres de commerce du nord et du nord-est, et parce que il y a des explications, il y a des clarifications que un pile monde pas connaît de projet, il y a un pile parole, des mauvais bagages qu'a dit parce que on pas au courant de qui c'est dans projet. Et il y a monde qui pensait que c'est une mine en Haïti que n'a venu exploiter. Non, nous parlons aucune mine en Haïti. Et dans la chaîne opération minière, il y a 9 étapes. Il y a des étapes effectivement qui très polluantes, qui capables sale détériorer l'environnement. Étape ça n'a pas été faite en Haïti. Nous avons bien dans 9 étapes qui viennent sous chaîne de valorisation du minier. C'est ces 3 dernières qui ont été faites en Haïti. Nous avons dans 3 dernières ça pour nous comprendre à qui côté nous avons rentré. 3 dernières étapes, c'est que le minerai qui a privé ici a déjà et exploité, déjà traité, déjà, il y a tout produit chimique qui était là-dedans, retiré déjà. C'est la raffinerie que vous avez. Et la raffinerie qui a été installée, là, sont raffineries de dernière génération lui-même, et qui peut utiliser un système de fourneau fermé. Ça veut dire même poussière de pressing n'a pas tombé dans le territoire pays. Donc, 3 étapes qu'a fait là, la fait raffinerie, la fait entreposage produit, et sous-produits matériaux et minerais qui étaient là, pour aller rentrer dans la chaîne de fabrication de ciment. Donc, même sous-produit, pas perdu en rien du tout. Et chaleur, d'agadinou, qui va le sortir dans la raffinerie, parce que pour mon idée, la raffinerie, ça a lui-même la besoin plus passer 50 watts d'électricité pour fonctionner. Donc, chaleur qui va sortir dans la ça va le servir pour réchauffer toute l'eau que la zone franche a besoin pour le servir. Et on nous supposait que niveau de vie, mon a augmenté à côté, en pile hôtel, il a besoin de l'eau chaude, de l'eau fraîche. Imaginez que usine qui va monter sous chaîne ça pour récupérer vapeur et chaleur et pour réchauffer de l'eau pour mettre à disposition de zones franches et de tout hôtel qui vient d'être installé dans le département, etc. Donc, c'est des bagailles comme ça. Donc, dans la semaine, dans le nord-est, ma bien pour nous faire non seulement une réunion avec les deux chambres du nord et du nord-est, chambres de commerce. Après une réunion spéciale, nous allons le faire avec la douze ou la douzaine ou la quinzaine de principaux acteurs économiques qui sont dans le Nord-Est. Parce que l'opportunité qui vient là, il faut nous parler de eux pour commencer à positionner. Et nous connaissons l'homme et nos projets dans nos zones. Pour avoir des avantages, il faut que les gens qui sont dans la zone aient une priorité pour accéder à eux. L'autre bagaille qui vient, nous avons 2 conférences, nous allons le faire. Nous avons une conférence nous avons fait avec l'Université Limonade. Sous Osanouele, intégration régionale, pas dans le sens de l'intégration régionale et j'en ai diffusé actuellement dans les réseaux sociaux. C'est d'abord intégration régionale en termes de la région du nord d'Haïti, mais tout intégration de la région Caraïbe vers cette zone industrielle de premier plan. Parce que bon paquet de biens et services que nous avons consommés dans Caraïbe comme nous, que c'est importé à importer. Même Jean Haïti a importé un paquet de bagages de Saint-Domingue, c'est pas Saint-Domingue qui fabriquait. Il recevait aux fabrications industrielles de l'autre pays, il utilisait la caille, il réimpactait, et puis il fait un appel très cher. Donc, nous fabriquons ça autour à partir de zones franches. Maintenant, nous ne pouvons pas fabriquer ça, peut-être pas nous, mais nous avons tout fabriqué dans la région de la Caraïbe comme tout. Maintenant, ça c'est une. Deuxième, là, nous avons l'autre réunion à faire dans l'université, mais cette fois-ci, c'est avec les représentants et les patrons des universités, centres de formation technique. Et qui dans le département nord et nord-est, pour nous informer de projet, parce que lors de 80 000 emplois indirects et 13 000 emplois directs qui vont arriver dans nos zones,
faut que d'abord, moun nan zon yo préparé pour yo ka accueillir. Sinon, c'est des étrangers qui pourraient prendre toutes meilleures postes. Ou bien, même si c'est haïtien qui vivent à l'étranger, nous connaissons un pile qui va retourner quand on travaille là. Mais, il y a des postes qui ne sont pas haïtiens satisfaits, on n'a pas obligé de prendre l'étranger. D'où, nous avons besoin d'informer l'université et centre de formation yo, et nous avons envisagé tout comment zone capable de faire des partenariats sur des formations très particulières avec communautés de formation et communautés universitaires qui dans le département. Après là sous question zone franche Voilà. là, si vous avez des Merci. questions, on va être capable de vous. Merci en Merci, pile. docteur Mathurin. Li déjà, merci, docteur Mathurin. Ils font bon râler sous zone franche là. Moi, je suis sûr que il y a des questions, toujours des suggestions, mais nous font bon râler toutes nouvelles informations. Moi-même, là, tout plus on est opposé déjà. Dernier bagage, nous était ces signatures, monsieur Ariel Henry. Et si on a des oreilles, monsieur Ariel Henry, ou bien s'il attendait ça. Et moi, je pense que c'est un bon zak ou ta fait. Que le dernier moment, ou comme premier ministre, ou bien ou style, soit un bon zak ou haïtien. On ne peut pas rentrer dans la politique ou haïtien. Donc, monsieur Henry, c'est ça seulement nous besoin. Ce n'est pas monsieur docteur Mathieu qui besoin. Son bagage est bon pour tout pays, hein? Pas pour département. C'est une ouverture vers la modernité. Tant que j'entendais docteur Mathieu là, son bagage est bon, moins pensé. Et dans tout bagage négatif, ça c'est en positif si M. Ariel Henry taba nous feu vert. Donc, entre-temps, il est déjà 4h49, on a fini à 6h, nous avons l'autre conversation pour le faire. Et sous canal là, nous avons le canal Potomitan, sous website que nous créons. Mais entre-temps, 4h49, si nous prenons de 4h49 à 5h15, si il y a des questions sur l'information, Dr. Mathurin, souhaite partager avec nous. Nous bienvenue pour nous poser des questions ou bien suggestions. Si on a posé des questions pour éviter des autres cacophonies, levez main, posez des questions ou bien suggestions. Bah écoutez, me lever maintenant. Bon, ok, Voilà, me lever. Monsieur Voilà. Eddy Garnier, posez des questions. Ok. D'abord, docteur Mathieu, d'abord, m'a complimenté, non, m'a fait une félicitation pour tout le travail, ça, parce que docteur Mathieu, c'est un monde qui est très articulé, et puis je suis entré dans tous les détails, bah, toutes les informations. Donc, félicitations, et puis pour tout le monde qui fait partie de l'initiative, ça. Maintenant, moi-même, personnellement, ça qui intéressait moi, c'est surtout des moyens pour être capable de prendre, pour être capable d'aboutir ça qu'on a besoin, parce que l'échéancier est déjà très court. Et moi, il y a une possibilité pour que ça fasse et facilement, pas aucun problème, parce que dès le début, docteur Mathurin t'a dit que l'organisation Zone Franche, là, dans le gouvernement, est déjà d'accord, déjà accepté, tout simplement, ces signatures Premier ministre-là qui ont besoin. Et Premier ministre-là, tout, l'intéressé, il dit ça intéressé, c'est juste situation politique-là, comme c'est Mzadio, qu'il n'y a pas de temps pour ça. Donc, maintenant, ça que moi-même, moi, ouais, que ça que ça se passe là, toute explication, docteur Mathieu, saute bail là, son bagage qui cabale directement dans plusieurs radios dans le pays. Et dans plusieurs radios pour capable faire une sorte de sensibilisation et puis qui pour faire son bagage ipso facto. Ben, ça pas gain pour te prendre temps normalement. Donc, c'est pour une bail pression dans le sens ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, par exemple, si vous prenez un caracol qui déjà est en zone franche, qui a fonctionné, quoique nous perdions partie à la République dominicaine dernièrement, il y a à peu près 2 ans. Ensuite, l'autre côté, bateau qu'on vient, hein, qui ont l'autre zone franche tout. Dans zone là, il y a plusieurs zones franches déjà dans la zone. Donc, je ne pas et difficulté normalement pour ne pas perdre opportunité ça. Maintenant, l'autre bagage que nous sommes capables d'ajouter, parce que le docteur Mathieu a mentionné un petit peu, mais nous sommes capables de gagner beaucoup plus concret, à savoir que dans tout le monde qui a investi dans la zone là, est-ce que pas une possibilité que nous réserver quelques actions? Quelques actions pour nous qui sommes dans la zone d'entour, comme participer directement comme investisseurs là-dedans, non seulement investisseurs humains, mais investisseurs
comme si m'da diyo, même si c'est 10 piastres chaque combat ou 50 piastres chaque combat, mon en connaît que les appartenu à ça. Donc, les vins tournent comme si m'da diyo, ils ont force de pression, tout pour capable faire bagarre la réaliser. Puis là, bon, c'est une fierté, ils connaissent que c'est compagnie, qui travaille. Donc, bon, c'est les gon appartenance. Donc, bagarre la capable aller beaucoup plus là. C'est comme ça que moi, elle est. Donc, m'a pas qu'un qu'on trop longtemps. Donc, c'est vision pas maintenant, c'est suggestion ça que m'a. Docteur Mathurin, est-ce qu'on on réponse ou bien un commentaire pour Non, corroborer ça que tu viens de dire? ma prière est juste au dernier point, monsieur. Et société, ça, qui est le Haïti Développement Industriel International, moi, dis-nous, son société haïtienne. Et nous envisager, et une fois nous finissons signer avec le gouvernement pour nous démarrer le projet, nous allons ouvrir les actions de la société d'abord vers Haïtiens qui originaire ou bien qui vivent dans le Nord-Est. Et Action Sahara, c'est des actions qui ont un prix très abordable pour permettre à ce que. Et cela n'a pas les bagailles qui va le faire en pile comme. Et n'a pas les tout de bagailles qui va le faire développement et qui a porté opportunité. Donc, nous avons besoin et nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de capitaux là. Parce que n'a pas dépensé un paquet de corps en tant que bagaille à camper. À titre illustratif, par exemple, nous avons des intérêts aux sociétés à payer pour ce que travail de promotion, de montée et descente de base à voyage, dépenses que ça coûte nous. Il y a deux, trois membres et sociétés à qui là, non, pas là. C'est dans l'abserré. Donc, ce n'est pas seulement ouvert pour permettre que nous fassions comme. Mais société a besoin de la participation des Haïtiens. Donc, mon premier, c'est son société qui a gagné trois niveaux d'actionnariat. Il a gagné un fondateur, il a gagné un Haïtien qui est dans la région et il a gagné tous les autres Haïtiens. Donc, pas grand problème pour participation, ça. Et maintenant, il y a une autre bagaille pour nous songer, c'est que il y a un autre marché de services qui compagnie même pour le gérer. Et marché de ces 30% qui a écoulé vers le marché national. Que ces compagnies a dit qui marché ça à lui-même. Ça veut dire qui ça? Compagnie qui va installer 150 MW d'électricité. Toute région nord-pays a besoin peut-être 40-45 MW d'électricité. Bien entendu, parce que le parc a développé. Mais là, elle a développé. Compagnie qui a installé l'électricité a dit nous que l'IPRED pour le passer de 150 MW à 1 gigawatt d'électricité. Ça veut dire plus marché, région a demandé, a développé. Maintenant, nous avons besoin des investisseurs et nous avons souhaité, c'est des groupes départementaux d'Haïtiens qui mettaient comme ensemble qui pour prendre licence de distribution d'électricité. Sinon, c'est EDF qui peut encore une fois monter sous lit. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème pour nous vendre ni par EDF. C'est l'exigence qui va gagner, c'est que l'électricité a la livrée dans la zone franche. Côté poste, côté la passée, n'a livré négo payé. 2 jours après, on pas payé, on a obligé de couper. Parce que la compagnie n'a pas gêné. Pas mal entretenu, vagabondage et découragement pour ne pas penser que parce que vous avez dû, c'est un bail. Tout le monde pas un bail, mes amis. Développement fait avec travail, avec paiement, avec engagement, avec respect. OK, donc nous avons aidé le pays à ce développement. OK, donc Merci, nous n'avons pas de problème d'argent. merci Docteur docteur Mathieu, Mathieu. ce n'est pas. Nous avons 2 monde qui déjà levé main, mais nous avons question sous chat là. Rodolphe dit, vu l'état actuel de la législation portuaire d'Haïti, où le port est public, comment concevez-vous la construction et l'exploitation de ports privés dans le cadre de ce projet? Et m'a répondu très rapidement que le pays a une législation portuaire qui autorise les acteurs publics développer infrastructure portuaire. L'exemple, dans la zone Bordeaux-Princeland, où port est public, mais où il y a les ports privés qui n'ont pas partie sud là, et où il y a 2 ports privés qui n'ont pas partie nord et nord de port de APN. Par exemple, où il y a un port son port privé, que la famille Meuse a exploité. Et puis, au gain pour la Fitora, c'est pour Bidjo, que Aurélie, sont l'autre port privé que dit. Pays n'a pas équipé en matière de port. Donc, et une fois que, et ça, c'est un bagage essentiel pour le fonctionnement de la zone franche,
nous pourrons négocier, et ça, c'est Direction Générale Zone Franche qui a bien responsabilité pour aller négocier et chercher licence d'opération pour là et autorisation de construction pour là. Pas un problème pour ça. Merci, docteur Mathurin. Nous avons trois mains qui levées. Ma prend Bobby d'abord. Bobby, vous voulez me poser des questions là? Bobby? Bobby, malgré où on mute et micro là, nous pas attendez ou? Bon, en attendant, Bobby, t'as gain son. Oh, ok. Bobby là, Bobby, vous m'avez posé des questions. Non, Ligens, c'est Bob, et ou Bobby, hein? Non, c'est Ligens. Oh, Met tout Ligens, moi, balai. dit, non, non, m'a pas du tout parlé, non, parce que m'a gagné un torchon qui était avant. Donc, comment on a fait ça? Bobby, en attendant que vous résolvez le problème là, Ligens, vous m'avez posé des Donc, comme questions là. moi j'étais avant Ligens, hein, donc je pensais moi-même position PAM. Monsieur, on essaie de passer des ordres. Torchon, où tu es allé ou retourné. OK, Ligens n'a pas torchon. Priorité sous torchon, mais poser des questions là. Oui, alors moi, salut, non, félicitations pour telle initiative. Et m'a salué, quoi, Jean Docteur Palem. Alors, et m'a trop long. Et alors, ça fait longtemps, nous toujours attendre. Et yon OK, yon visa. Et depuis Ariel pour capable valider yon projet. Alors, m'a demandé, et Docteur Palem, et qui délai qui gagne et pour projet ça capable atterrir. Par exemple, nous connaissons nous en phase et changement et comment on dit capable dire n'a pas les fins fin et accord. Alors si toutefois et PM ça il est là encore ou bien il pas t'avle et sien et pour il pas t'avle valider ou bien bail avali. Alors et qui devenir projet ça et malgré et toute persistance et ou bien est-ce que projet pas capable et là encore qui veut attendre lorsque gagne on l'autre gouvernement qui gagne volonté qui gagne capacité et qui gagne l'amour pour pays a et bien capable invalider est-ce que si PM dans lui-même et par exemple Jean qui a parlé là d'après et président en HCTA après 7 février gouvernement ça a pas gagné légitimité encore mais qu'on y a la PM n'a pas la gagne temps signé pour non l'aller et qui ca projet. OK, et Monsieur Torchon, M. Torchon, projet A, ce n'est pas pour le PM qu'elle dessinait. Ce n'est pas pour le gouvernement qu'elle dessinait. Son projet que nous concevons pour Haïti. Il faut que nous songions que Haïti a toujours passé gouvernement, Haïti a toujours passé PM. Exact. Donc, quelle que soit l'autorité qui vient dans tête pays, et c'est au contraire, ça c'est un projet d'entrée. Et que quel que soit l'exécutif qui t'apprend tête pays, et l'important pour que l'abjoint nous pays qui vient des bagailles qui en attente dans l'administration, et D'accord. le gouvernement change en premier ministre, l'administration n'a pas changé un seul coup. Donc, il y a une série de projets à rejoindre. Donc, ça, c'est un projet urgent. Et sous-bêtisé, si Haïtien te comprennent, pendant qu'il y a la planète qui est là, pays, projet, ça a été qu'à foutre à la tête. Et je regrette que je ne sais pas comprendre ça. OK. Mais ceci dit, nous-mêmes, nous pas dans les initiatives économiques qui concernent les pays, et nous pas croire que c'est courir derrière un gouvernement ou courir derrière deux mondes en soi. Bataille qui vous mène pour le pays à libérer, bataille doit continuer, mais pendant ce temps-là, nous avons vivre dans le pays, nous avons courir quitter le pays. Le conseil de côté dans le pays après des autres, c'est parce qu'il n'y a pas de travail, pas de gros intérêt là-dedans. Et ça n'a bien avec lui là, son gros pôle d'intérêt, et c'est ça qui nous invite, agents économiques, monde qui est engagé, qui compte département nord-est, qui compte département nord, pour mettre tout courage ensemble avec nous, et de sorte que nous sommes capables de permettre que les projets soient engagés. OK? Bon, alors, s'il vous plaît, mettre Mais promotion, docteur Palem, avant d'aller. Et maintenant, en termes de modératrice. temps, Oui. nous avons Oui. un pile temps, nous avons un temps parce que nous avons l'autre partie, l'autre conversation pour nous aborder, Monsieur Torchon. Alors, Nous quelques avons fait un secondes, petit palais de canal là. quelques Ou secondes. quand partager là avec nous sous chaque groupe, là, on a écrit le tout. Nous avons Ah, toujours bon. mis parce que l'autre monde qui a main levée, qui Alors, voulait c'est juste question quelques secondes. C'est juste quelques secondes. Moi,
dit, est-ce que c'est pas parce que peuple est férié à Aubenoldès là, faut qu'on comprenne et qu'on ait importance projet ça, ou bien est-ce que c'est pas faire et pas canal là qui kembe projet en état qui fait vulgarisation pour qu'on arrive dans un. Monsieur Torchon et peut-être Dr. Mathieu qui a répondu à une question sous chat box, mettez-les sous chat non, parce que nous, là, pas avancé, nous avons l'autre sujet pour nous parler, j'en dis, hein, de canal là, et Dr. Mathieu a pas fait suivi à la question là. Entre-temps, nous gagnons Ligens, est-ce qu'on pourrait poser la question là? Merci, Monsieur Torchon. Oui. Ligens, vous m'avez posé la question là. Oui, merci. Merci, docteur Palem, pour aller s'en faire sur ce projet. Hein. C'est très, très, très intéressant. Mais et le fait que vous parlez de université, vous dites ou même il y a 16 000 emplois qui peuvent le créer, dont 13 000 emplois qualifiés et puis 3 000 pour étrangers. Est-ce qu'au cas où l'université qui est dans la zone, pas répondre à cadre que n'a besoin prévoir des lignes côté que yo ka apporter des appuis techniques à l'université qui n'a grand nord là. Merci. Merci, Lugens. Merci. Et son question très intéressante. Et certainement, donc, pas paquet de qualifications que nous avons besoin qui n'ont pas existé aujourd'hui dans le département, dans la région et peut-être même dans le pays. Et est-ce qu'on connaît que nous pas gagné, par exemple, des ingénieurs dans le domaine et traitement des produits miniers? Nous pas gagné ça. Nous pas gagné des ingénieurs, nous pas gagné des managements industriels dans le niveau et degré d'investissement et degré de développement, ça a parlé là. Et nous avons des sociétés qui viennent travailler avec un pile robotique, qui viennent faire un pile robot, un pile robotique. Nous pas d'ingénieurs en robotique dans le pays, nous pas des techniciens en robotique qui vont faire entretien. Donc c'est pour ça que fait nous parlons avec l'université, pour nous demander à l'université, et pour nous expliquer, mais qui ça qui va arriver là. Et moi-même, comme professeur des universités, je ne suis pas trop à l'aise, je m'amène des investisseurs, et puis ensuite, nous allons chercher des techniciens à l'étranger qui viennent pomper l'opportunité qui va le développer là. Maintenant, est-ce qu'il y a des possibilités de collaboration entre l'université et les zones franches? Maintenant, il faut que l'université, ouais, et par rapport à la perspective que nous allons ouvrir ensemble avec eux, qui est capable de commencer par ajuster les formations qu'il a faites. Maintenant, et lorsque l'entreprise, au fur et à mesure, l'entreprise va le mettre à terre, l'entreprise, nous allons peut-être remettez en face université pour voir qui ça est capable d'investir avec l'université pour permettre que vous fassiez mise à niveau tout à fait possible. Mais nous ne sommes pas capables de prendre crédit pour le moment avec l'université pour nous dire nous allons faire tout le bagage pour vous. Non. Et nous allons éventuellement de partenariat. Parce qu'en général, l'université, là où l'entreprise vient dans la zone, il a besoin de services dans tout acteur qui est installé dans la zone déjà. Donc, ce n'est pas une grosse opportunité pour la communauté universitaire là. Communauté école technique et supérieure pour que yo attendez mais qui nouvelle opportunité pour qu'a mieux orienter qualité de formation et que vous allez mettre en place là. Merci. Merci, Dr. Mathurin. Bobby, je ne sais pas si problème technique on résout ou qu'a posé question là, Kounia. Bobby? Tant à pas avancer, Bobby, si je t'ai conseillé que sous pas un son, mettez question là sous chat et groupe là, nous qu'a répondu. Entre-temps, ma bas Jonas, le GM, pose question par là. Ah, Jonas, il y a un problème. Jonas, Nicolas, Jonas, OK. on est le Jonas, Ouais. vous m'avez posé question là. Juste... Jonas, message OK, ou pas passé? Jonas, communication pas bon. Sous un petit problème technique, posez question sous chat groupe là, ma Lille, Dr. Mathurin a répondu. Le a pas avancé, nous pas grand pile temps. Entre-temps, nous résoudre le problème, ça, monsieur Bambay nous dit, posez question là. Jonas, posez question dans sous chat groupe là. Nodi? Bonsoir, 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 comment nous y est, Bonsoir, bonsoir. Nodi. Bonsoir, Bonsoir, Nodi. docteur Mathurin. Bonsoir à tous les Bonsoir, membres Frère, comment de allez-vous? l'État. Nous, là, en gouvernement. Et bon, moi-même, attendez, pas qu'on y a seulement, qu'on a suivi ce groupe de mi-temps, mais attendez tout ça qu'on a dit sur le projet. Hein. Et moi, je pensais que, bon, peut-être, je suis capable de dire, et.
faiblesse dans le niveau communication sur le projet. Et c'est ça que fait, parce que moi, je crois que si population, vraiment tout le monde dans le pays, le commun des mortels, comprend le projet, ça, sort ce dit à l'air, et c'est exactement ça le tapis. Ça veut dire, même Jean Ariel avec le gouvernement, pas de choix, il est obligé. Il est obligé de mettre dans le sens 20 canal, il en a maintenant. Il est obligé de mettre dans le sens 20 et canal projet, ça. Donc, moi-même, moi pense que, moi-même, conseil, c'est pour ça que je m'ai posé question. C'est pas une question, c'est un conseil. Je t'aimais que nous puissions être agressifs dans la communication. Ça veut dire que, surtout les réseaux sociaux que nous connaissons, qui gagnent plus de poids et qui grandissent encore qu plus de poids, je pense que faut que nous envahissions les réseaux sociaux à travers tout influenceur, tout le monde, tout côté, tout jeune capable, pour que tout Haïtien a parlé de projet ça, que le gouvernement pour et autorisation ou bien signature pour sa fête. Donc, parce que nous n'avons pas le droit de perdre ça. Il faut que la population connaisse ça, l'a perdu s'il pas joué un projet ça, pour Eh bien, que d'après nous vous, capables de c'est jouer des résultats. très bien Merci. dit. C'est ça qui fait que nous avons fait, nous avons communiqué déjà, parce que nous connaissons chaque monde qui est là sous plusieurs groupes, chaque monde qui est là sous plusieurs réseaux et sociaux. Et un bagage qui dit son groupe, on est étonné ouais, sous combien de groupes peut les diffuser. Et dans ce sens-là, oui, nous dit, il y a besoin. Et il y a besoin à ce que nous arrivions à joindre un maximum de monde, et notamment, il y a un monde qui sont dans là, qui c'est Widline Pierre, qui c'est coordonnatrice et organisation qui a porté et a fait canal là. Ce n'est pas par hasard que il a tout. Il faut nous comprendre que l'investissement qui est capable de changer de donne, bon parti haïtienne, non, et la fait dans le secteur agricole là, mais puis gros danger dominicain, ça a battu pour éviter privé. C'est atterrissage projet ça, et notamment atterrissage port ça, dans Baie de Mancenis. Parce que nous songeons que Michel Martelly vend nos projets d'un port que nous avons construit déjà avec financement américain depuis 2014. Jodi a Dominicain a bâti port ça dans Baie de Mancenis. Donc c'est bon, jouet, ça n'a pas là. Il y a de gros intérêts nationaux, mais il y a de gros enjeux tout, et qui si autorité dans le pays n'a pas comprendre. Donc si c'est peuple là pour nous soulever, qui pourrait nous porter projet, eh bien, nous tous avons une responsabilité ça pour aider et à dire faire travailler ça. Parce que l'idée déjà coûté nous extrêmement cher et la continuer à coûter cher. Merci, docteur Mathurin. Nous avons de l'autre monde et qui a une question. Même tu as ajouté deux bagailles lan sa relevé, dans dernière réponse, docteur Mathurin Bayo. Projet, ce n'est pas, ça m'a dit, projet, ce n'est pas un projet, un gouvernement, c'est un projet pour Haïti, pour un pays. Et ensuite, bon monde qui font commentaire, M. Alexis dit pas le même temps pour nous pas venir jeter gouvernement. Pas gain à faire gouvernement qui a parlé là. Nous avons besoin de feu vert. Nous avons M. Garnier avec M. Jean-Claude Guéry. Je prends M. Guéry Moi, là, d'abord. déjà, Jonas. Qui est-ce? Jonas. Jonas, excusez, M. Guéry, bon, prends Jonas d'abord, ensuite M. Guéry, ensuite M. Garnier, et puis tout le monde après, ça, si nous avons une question, posez-le sous le box, parce que nous avons l'autre partie dans Zoom là pour nous partager déjà 5h11. Donc, Jonas, après Jonas, M. Guéry, après M. Guéry, M. Garnier. Jonas, vous m'avez posé la question là. Oui, mais ça, moi, t'as dit, c'est pas une question, c'est juste que moi, t'as fait une rectification pour un monde qui participe dans Zoom. Faut que moi, dis-nous que, pas, il y a des gens qui t'as dit comme ça, que est-ce qu'il y a un projet comme ça, il n'y a pas besoin de ratification parlement, parce que le projet a son projet d'envergure. Moi, m'a fait tout le monde connaître que l'État, la loi, est en créé un cadre pour ça déjà. Parlement, c'est pas lui-même qui l'a pour la ratification pour une zone franche. A créé une instance déjà qui est là pour faire étude dossier, analyser dossier et bail autorisation avec une entreprise même pour capable et constituer pour capable créer une zone franche dans le pays. Il y a des gens qui disent ça tout, est-ce que Ariel a une légitimité pour que les bail autorisation pour un gros projet comme ça? Ça m'a dit nous, premier bail que m'a dit Ariel lui-même, il pas une légitimité mais il engage le pays a déjà non paquet de bagages jusqu'à présent qui pour que j'aime le pays en rien.
li engage pays à HTC jusqu'à présent qui pas ba résultat. Li engage Jonas, merci. Jonas, ou pas passé bien, Jonas, ou pas passé bien, ou pas passé bien. Jonas, ou pas passé. Jonas. Jonas, écris message là. Bagay. Non, Ariel parle pour ba autorisation. Ok, Jonas, nous tendez opinion là, partagez sous chat box là. Le avancé, on va M. Guéry poser question là. Merci, Jonas. M. Guéry? Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que nous recevons moi? Très bien. Ok, d'accord, merci. Et bon, intervention là, c'est juste en ligne avec Nodi Guerrier qui t'a parlé de communication. Et moi, nous avons parlé un peu de communication sous Zoom, enfin sous chat, etc., etc. Mais les canaux là t'as commencé, m'pas quoi que c'est Mounio qui prend l'initiative même sans pas gagner rien, aucune intervention. Exactement. Donc nous impliquer, ma question, enfin, c'est ça m'a posé, mais est-ce que nous impliquer déjà moun zone canal là, zone ça parce que canal là c'est même zone non. J'ai même zone ferrière, si m'pas compris moi. Donc c'est même bagarre là, donc cela veut dire moun wana mettre moi très impliqué dans bagarre canal là et puis que qu'on y a là de que même pas j'aime pas des personnes parler dans non bagay ça là tout comme t'a attendre moi t'a tendre yon moun parler de justement parler de canal là y a parler de projet ça tout donc moi entendre des docteurs Mathurin dit que gagne yon Widlin Pierre moi quoi qui sous zoom pour nia là tout moi bien content dans groupe là donc m'ta bien m'entendre tout comme t'a dit moun voilà m'être impliqué tout dans bagay ça parce que si c'est pas nous même si c'est pas nous même haïtiens qui impliqué ben attendre gouvernement bon quoi nous chirer t'a dit bon regardez ça qui a passé dans port Saint-Louis du Sud là ben voilà de carrément que le gouvernement décide de carrément que le cargaison ciment pas débarquer et puis bon tout le monde accepte elle on pense que nous arrivons au stade que faut que nous fait payer à marcher bon alors pas les subversifs avec ou sans gouvernement très bien très bien merci monsieur Guéry et docteur Mathieu Gomba vous voulez ajouter à commentaire monsieur Guéry hein? Oui non c'est dit m'a dit que nous-mêmes, nous parler avec tout acteur dans le département Nord et nous parler, nous rendre compte que son pays, côté que nous sommes très souvent yo plus à l'aise dans des bagailles de peu d'importance. Peu d'importance dans le sens que nous avons réfléchi pour dire que il y a un monde qui te dit nous, ah, et il y a deux zones d'activité industrielle qui sont installées déjà dans le Nord-Est. Là. Pour qui ça, c'est dans le Nord-Est, nous allons bagailler ça. Pour qui ça, il y a une pollution. Pour qui ça, ceci. Pour qui ça, cela. En réalité, le projet, ça a vini, hein, la vini complété un ensemble de déficiences que toute région de notre pays a bien. Exemple, moi-même, docteur Jean-Paul Mathurin, c'est moi qui ai fait projet parc industriel Caracol. L'aime d'avoir fait projet, ça a été un paquet de résistance tout. Et là, mettez le projet en place. Je dis à 5 communes qui sont autour de Caracol, qui ont l'électricité et qui ont fonctionné. C'est grâce à Caracol. Là, dans le Caracol, pas de l'électricité du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc, c'est pour nous comprendre que ça qui vient là, lui-même, la vient avec des services supplémentaires, mais la vient tout avec des services dont taille qui a desservi ensemble de communautés qui pourra permettre que bon série d'opportunités d'affaires que le pays a bénéficié. C'est vrai, là, nous lançons ce projet, bon ensemble de démarches qui doivent être faites, c'est au niveau, plus au niveau de l'État que doit être faites, notamment au niveau de zone franche, au niveau de ministère commerce, au niveau de ministère de l'économie et des finances. Maintenant, là, nous, ça qui fait nous n'en parlons en pile, c'est parce que nous traînons les pieds de la part de l'autorité, parce que parallèlement, nous rencontrons avec toute autorité municipale. Nous rencontrons avec toute délégation qui représente un département, nous représentons avec tout ancien élu du département, et nous représentons avec un certain nombre d'acteurs privés qui sont dans le département. Maintenant, dans l'immédiat, nous allons pour nous faire un travail ensemble avec le comité sous le canal. Ceci dit, ça qu'a fait là, nous comprenons que les Haïtiens mettent ça en tête. Que nous n'avons pas, il y a que nous n'avons pas la diaspora. Ça, plus la Dominique est au père, c'est zone franche. Monsieur Guéry, ton micro est ouvert. OK.
Voilà. Maintenant, oui, nous allons travailler ensemble avec eux. Oui, nous allons utiliser tous les moyens de communication. Et ce n'est pas par hasard qui fait que nous allons garder, même avec les universités. Et puis ensuite, nous allons parler avec les étudiants. Et même si nous allons parler avec la famille. Et même si nous allons parler avec la toute organisation. Et nous expliquer nous, rencontre qui va le faire la semaine prochaine, yo, qui acteur que nous allons gagner pour nous rencontrer ensemble avec. Parce que ce projet, c'est pour nous. Donc, il faut que nous mettions responsabilité à tout en partie sous épaule. Merci. Merci. Merci, docteur Mathurin. Le app fait nous la guerre. Nous avons M. Oui. Garnier qui parlait déjà de lever de l'ouette. Mais oui, avant M. Garnier, avant de la parole M. Garnier, M. Garnier, vous avez 2 minutes. Mais ça me voulait ajouter, me retrouver M. Guéry dans ça. C'est pour un fait de communication, soit un fait que chaque fois, nous, on grène là, nous invitons l'autre, vient tendre. C'est comme ça, nouvelle nous propager. Prends, mais on l'autre, invite le vin participer dans Zoom, vin tande parce que ces projets nous tous liés et nous tous gagnons même objectif. C'est ça que je voulais ajouter. Temps à fin de la guerre, il 5h18. Monsieur Garnier, vous avez la parole, une minute pour poser question ou bien. Le ciel, merci beaucoup. Le ciel s'obtient avec violence, comme on dit. Moi-même, je retourne à ça que je t'ai proposé, que Dr. Mathieu a été répondu. C'est-à-dire que la participation d'une partie de la population. Dr. Mathieu a dit qu'on pourrait le faire après, mais si on a besoin de la marcher en avance. Donc, si on en connaît que déjà partie prenante, la capable de faire pression dès le début, au lieu qu'après, on n'est pas obligé de prendre un problème en main. C'est juste une promesse, presque. Maintenant, nous savons qu'il n'y a pas d'infrastructure dans le pays. Il n'y a pas aucune infrastructure. Même encore, on dit que lorsqu'on dit mon ça, on dit OK, on est bien content, on vient avec lui, même il y a tout à apprendre pour être capable de fonctionner. Ce qui peut dire qu'on a tout le bagage en main déjà. On a tout le bagage en main déjà, président et premier ministre d'accord, on a dit qu'on est d'accord. Donc, moi, ouais, que c'est pour mettre au pied du mur. Nous, là, nous avons tout ça qui passe là, tout le monde fait, soit dit nous là, ou expliquer tout le bagage ça, ou gagner Radio Métropole, ou gagner Louko, des ou une série de médias, par contre, il faut pour toute population entendre les. Et puis maintenant, on va dire dans le nord, c'est sûr qu'on va aller dans une série de dans communes, etc. Mais toute population, en partie dont radio, côté tout le monde est capable d'entendre. Merci, monsieur Garnier. Très bien, monsieur Garnier. Si nous avons des questions, suggestions, mettez sur le chat box, mais à pleuver la conversation, dis-nous, ce n'est pas projet Zone France. Nous avons l'autre conversation aussi importante. Nous n'avons pas les canaux, déjà 5h20. Donc, nous avons Jean-Marie Joseph. S'il vous plaît, nous avons fait le plus facile si nous mettez des questions ou suggestions. Spécialement, suggestions. Mettez-vous sous chat. Là, si nous n'avons pas de questions, pour nous prendre plus de temps pour nous parler de deuxième partie, hein, qui est aussi importante que première partie, conversation ça. Donc, c'est ça que je t'ai dit. Docteur Mathieu, vous voulez faire suivi à commenter, M. Garnier? Hein? Monsieur Joseph, vous avez une question? Bon, pas de problème. Et comme nous étant en bout de temps, les gens sont en train de passer, pas de problème. Ça, non, monsieur Joseph, vous pouvez prendre une minute pour dire ça là. Tout poser question, amen. Ce n'est pas une question, c'est seulement un conseil. Moi, je pense que le projet, c'est un projet qui passe plus qu'important. Donc, nous, ça va passer là. Nous, ça va passer là dans le pays. Il n'est pas une question de politique, c'est une question de un projet pour le pays. C'est que c'est toutes les âmes que nous avons utilisées pour que ça arrive dans les oreilles d'Ariel Henry, pour que les bails avili, nous supposons faire. Merci. OK. Konya, et si pas de. Nous quitter. On a abordé le deuxième sujet, docteur Mathieu. Monsieur nous dit, s'il vous plaît, nous mettons BCMEO et nous allons rentrer dans la deuxième partie. Hein. Exactement. Très brièvement. Docteur Mathurin, c'est ça que je voulais dire. Il est en 5h22. Nous avons rentré dans la deuxième partie, un sujet important depuis ces dernières semaines qui est le canal. La KPK, le canal n'a pas campé. Et moi, je pense que l'initiative, ça a son réveil pour toutes son sonnette d'alarme pour nous réveiller. Nous. Et nous-mêmes, dans le groupe Potomitan, nous venons à des suggestions. Nous avons deux websites, Docteur Mathurin, pour le raconter. Et nous gain ça veut dire nous fait commencer besoin l'argent pour aboutir
matin dans petite conversation à docteur Mathurin, chaque conversation à docteur Mathurin son conversation éducation tout qui fait me connaître plus. Donc docteur Mathurin m'a bon la parole dans affaires canal dans affaires projet website canal Potomitan qui s'allier comment lier pour qui ça nous prend initiative ça nous même dans ce Potomitan. Oui, et nous, alors nous perdons pendant un petit bout de temps, oui, mais nous perdons pendant un petit bout de temps. Oui, oui, enfin, bon, je reprends. Le groupe Potomitan nous t'a parlé et puis nous t'a dit pour qui ça, parce que tout le monde, nous, toute communauté, tout côté, tout le monde a rassemblé l'argent. Ça gagne 10 dollars, 20 bail et c'est un projet qui demande un paquet de dépenses. Nous pas gagne monde qui a assisté nous, c'est comme si nous pouvons nous entre nous. Pas gagne l'État pas de sous-bon nous. Donc, l'ancêtre Potomitan nous t'a suggéré pour qui ça que nous pas créer un website qui gon link GoFundMe, le ça tout le monde a allé vers un seul website qui gagne link là. Donc, docteur Mathurin, jodi on pral parler de ça, de website canal Potomitan qui gon link là dans ni et que au kabay parce que nous fait comment c'est besoin l'argent pour projet canal ça. Parce que canal, même le canal fi fait, qu'on y a fort de l'eau en réparti pour tout le monde qui a bénéficié de ça. Donc, docteur Mathurin, qui s'en gagne pour nous faire encore, ça nous pral faire, nous, ou te dit madame Pierre avec nous. Et docteur Mathurin, vous avez la parole. OK, merci encore une fois. Et ça passe. Et moi, et le nom Potomitan, moi, t'allé dans le département et Nord-Est, et en plus de projets, et en plus de projets par nous, et qui en attente, là. OK. Donc, moi, t'allé dans le Nord-Est pour que nous t'allé garder le canal. Et m'te retourné, m'te fait un compte rendu by Potomitan de ça que nous t'ai observé. Et ça que nous observé, c'est au niveau de. Il y a un pile travail qui fait au niveau de et canal là, mais il y a un pile travail qui a prêté pour fait. Et m'pas qu'on ait un pile là, nous t'ai tendé. Une émission que moi-même ensemble avec madame Woodline Pierre qui est passée avant moi et c'était lundi avec Marie-Lucie Bonhomme sur Radio Vision 2000 et moi t'ai expliqué que gagne et canal là cap prise là cap fait sur rivière Massacre là c'est un bout peut-être de 200 mètres. Et une prise qui peut-être plus importante qui a bien pour faire en dans rivière là qui pour permettre que l'eau a rentré et au niveau de canal là et dispositif de docteur Mathurin au sous mute oui Docteur Mathurin, il est tombé, n'a pas un petit temps pour remonter encore. Docteur Mathurin? Nous désolé de ça, nous connaissons la technologie encore, à fin défaut. Docteur Mathurin est tombé, n'a ballon 2 minutes pour le remonter encore sous Zoom. Merci. Matt, si tu es là, est-ce que tu peux essayer de retrouver Dr. Mathurin au téléphone?
Moi, je fais sur le téléphone avec le docteur Mathurin. Il a parlé, il pas s'il est déconnecté. So, il est là, essaie de remonter sous Zoom. Là, demandez nos petits patients, s'il vous plaît. Merci. Le thématique était tombé, la remontée là. La Voilà. pou... Exactement, monsieur parlait dans le téléphone avec Lydie, la PC est remontée. Merci, Teken. D'accord. Est-ce qu'entre-temps, on ne va pas faire parler en pile? Bon, nous t'es qu'à faire si parler entre nous, mais nous pas voulu créer une cacophonie que tout le monde voulait parler en même temps. C'est peut-être ça m'a proposé ça. Voilà, docteur Mathurin est de retour. On Mes t'entend très bien, docteur Mathurin. amis, désolé, ce système d'information n'est pas trop bon. Nous espérons que ça va arranger tout. Oui, et donc, Va. nous t'avons parlé de l'initiative. Nous partons, non? Là. Ou entrecoupé, nous partons des sorties, Oui. docteur Mathieu. Moi, je dis, il y a une quantité de travail qui est engagée. Donc, nous avons Docteur Mathieu, je t'ai conseillé de chercher l'autre backup parce que ça arrivait, de temps en temps, on va pas te recouper. sans arrêt là. Oui, c'est l'arrêt là. Et oui, donc nous avons une dynamique côté que nous créer un groupe et un compte GoFundMe Canal Potomitan. Pour qui ça fait ça? Nous avons souhaité que, et nous connaissons un peu le monde là, Captain D, et bah, là, qui comprennent que le canal là, ce n'est pas seulement prendre l'eau à la rivière, mettre le canal là. Qui gros défi là, c'est prendre la redistribution de l'eau ça. Dans le périmètre 3 000 de production d'autres récoltes dans la zone. Là. Et l'important pour que les gens qui va exploiter 300 hectares et 3 000 hectares aient une meilleure relation entre eux-mêmes. Donc, dans le cadre de ça, nous mettons en place un dispositif ça. C'est de façon à ce que nous sommes capables peut-être mobiliser une expertise technique, mais nous avons besoin d'argent pour nous payer expertise technique, ça, qui a venu en renforcement de l'équipe qui a géré le programme et canal là. D'une part. D'autre part, pour avoir des besoins en équipement, tant que motoculteur qui pourra labourer terre, tant que des tracteurs, des petits tracteurs qui permettent que vous labourez terre. Et vous avez besoin d'équipement, vous avez besoin tout de semences. Vous avez besoin et peut-être de type d'engrais adapté pour production bien manger que vous avez besoin de faire. Tout bagage ça et comme pas de crédit dans le département, donc nous-mêmes nous sommes prêts pour nous porter un appui par l'équipe qui a géré le programme, non? Mais nous sommes prêts pour un appui qui est soutenu et qui est intelligent. Et son appui qui t'a dû aider à boucler le travail qu'a fait là. À aider notre travail de redistribution de l'eau au niveau de 3 000 hectares et qui va le permettre que, et ça a mandé, il faut que nous menions et nous invitions des gens qui sont spécialistes en irrigation, de telle sorte que nous avons aidé à dessiner le schéma de distribution de l'eau
et garder tout avec l'organisation qui a exploité site 3000 hectares là, comment on va gérer l'usage de l'eau. Maintenant, et pour nous aider à faire ça, nous avons besoin de moyens. Et moyens, c'est d'abord de moyens financiers. Et nous avons besoin de lancer des appels tout, auprès de haïtiens, techniciens, professionnels haïtiens. Imaginons promotion PAM qui fait faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Ma promotion PAM, il y a plus que 50 personnes qui ont même promotion avec moi, qui sont à l'étranger, oui. Qui travaillent, qui vivent, qui ont même changé de métier. Mais il y a un pile tout de jeunes agronomes qui étaient étudiants moins dans la faculté d'agronomie, qui sont tout aussi intéressés à bénéficier pour venir porter appui par eux, par ça qu'a fait là. Moyennant, si nous avons porter un appui pour nous, il faut que nous ayons de quoi pour nous prendre en charge, payer un billet d'avion, loger, transporter. Donc c'est pour toutes les raisons qui fait que, pour tout le temps, pas tant que nous mettre des colons bagailles qui aveugle. Potomi t'a demandé une série de mamni et qui offrit, qui ouvert compte GoFundMe pour lui. Il y a un homme Potomi qui mettait, il créait un compte sous compte par lui qui va permettre que l'argent qui vient sous GoFundMe a voyé pour lui, qui va permettre que mon traçabilité qui fait de chaque dollar que vous mettez à destination de projet canal. Plusieurs ont abordé moi et moi-même en tant que Jean-Palais Mathurin. Qui dit que il y a une quantité de canaux d'irrigation, que ce soit dans les organes, que ce soit et dans le reste du département du Nord, là, que ce soit dans le périmètre irrigué, Santiago, Saint-Raphaël, qui sont des zones qui produisent en pile légumes et qui a produit manger tout pour le pays, justement parce que par l'entretien de canaux d'irrigation, il y a passé des années, c'est de la pluie seulement, il y a tant. D'où, il y a des demandes extrêmement élevées et il y a un projet de canal qui a multiplié dans le pays. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas gérer chantier, construction, canal. Et ça fait nous dire, nous avons aimé pour ton appui ça en apporté, nous avons aimé que c'est utile. Et c'est ça qui fait, c'est l'organisation qui a fait là, nous allons parler avec eux pour nous connaître si on a besoin que nous ayons aidé ou satisfait, laisse ça, ça nous recevra comme contribution. Notre compte GoFundMe, nous mettons assistance à disposition et nous retracer. Voilà qui ça fait que nous créons compte GoFundMe. Nous avons besoin de tout le monde qui est ensemble avec nous là dans la réunion ça envisager pour nous ta et faire et à travers le monde pour venir aider dans la question bagay canal. Nous avons espéré nous-mêmes nous disposer pour nous mettre nous en partenariat et en liaison et au service tout de tout acteur qui a besoin que mon bagay structurant, durable, vérifiable et professionnel comme appui technique qui est capable de porter par acteur qui dans la dynamique de travail canal la pape campée. Voilà qui ça fait que nous-mêmes, dans notre temps, nous allons nous baillons appui par nous en tant que communication entière. La tremblée. Nous y entrecoupé, donc sous tes carreaux. Nous y entendons. Oui, donc nous avons commencé à parler avec Hugueline Pierre. Et nous-mêmes, dans Potomitan, nous portons des appuis déjà, et sous forme de contributions que nous avons portées dans l'occasion de ça. Nous continuons toujours à mobiliser pour que ça nous joigne et à travers fonds et GoFundMe. Nous faisons des réunions publiques pour dire, mais qui ça que nous joigne? Et nous allons ensemble avec vous pour voir qui appui technique que vous avez besoin si ça nous levait qu'à Haïti pour couvrir. Appui technique ça yo, et si c'est nous qui pouvons régler, nous n'avons qu'à régler, nous mettons à disposition. Dans le cas contraire, si crabe la badagra, ça nous le verra, nous mettons à disposition de l'organisation ça qui déjà lui-même enclenché déjà. Nous pas venir en compétition avec l'organisation, c'est un appui, nous venons ensemble avec lui. Sauf que nous avons espéré que nous avons mobilisé des monde, des experts techniques en matière d'irrigation, nous avons mobilisé des experts en matière de production du riz. Nous avons mobilisé tout de volonté haïtienne qui en d'un pays. Si nous avons besoin spécifique d'expertise qui vous portez pour être à de nous porter.
Ça, encore une fois, nous songeons que tout ça, c'est responsabilité d'État. Oui. Merci, docteur Mathurin. Pour nous faire. Merci. Merci, docteur Mathurin. Nous avons deux mecs levés. Alors, trois mecs levés, deux mecs, c'est M. Joseph, M. Guéry. Mais comme mon proverbe qui créole qui dit, ou pas carré de taille pour mourir sans baptiser, même levé tout. Donc, m'a posé question avant nous, messieurs. Docteur Mathurin, nous connaissons l'histoire pays nous, l'histoire agriculture, la terre pays nous. Nous connaissons Jean-Manchette Rale, moun perdu la vie, dans affaire répartition de l'eau. Sujet qui est très important, ça qu'on arrive que gen un moun la qui est obligé dans ma cour ou bien la rentrer dans le pouvoir pour gen autorisation, pour gen monopole de l'eau. Et répartition, le plus souvent, longtemps, li kon injuste. Donc, d'arrêt, mais qu'on est commission ça. Qui ça pour faire parce que moi-même, moi, rete quoi, c'est une partie qui l'anti-conversation le matin. Hein? Le fait que nous avons un canal, en vrai, mais partie plus importante, c'est répartition de l'eau. Hein? Qui conseille ou ta kaba, moi, sur et certain, c'est pas moi seulement qui ça en tête, moi. Qui sort à dit sous affaire, comment de l'eau va le répartir? Qui sort à dit nous sur ça? Et, sans gadou, pour le moment, mon yo a travaillé sur et mettre là. Et certainement, et nous pas qu'on est bagaille là, c'est ça qui fait que je vais demander, je vais monter semaine Cap Vignan, je vais monter dans le Nord-Est, je vais le chita avec architecte Woodlin Pierre, je vais le chita tout avec ensemble de, éventuellement comité. Bon, nous gagnons pour nous avec un gros producteur qui gagne autonomie et accès à l'eau par déjà tout, et qui c'est Jacques Sauveur Jean. Nous avons rencontré tout le monde ça. Et nous, par contre, qui j'en situation, relation entre producteurs. Même dit que l'MDT, dans le département sud, dans le charpentier, massé, au caille, nous avons quand même du riz qui est produit. DT, nous avons une quantité de monde qui est obligé de rentrer ma coûte. Nous avons un canal là pour mouiller du terre pour faire bagage. Nous avons un monde qui a tant de gloire rentrer dans le jardin, ou fin ou zete ou, mette ti en gré ou, et pour nek fouye tout en bas, jardin pour là, le aller de l'eau, l'ouze, ak tout en gré ou là, l'ouze te parave. Et ça, c'est des bagay qui baye de gros tension. Exactement. Merci, docteur Mathieu. Nous avons mis pied. Nous pas souhaiter que quand nous ça, l'elle fin fête, li baye plus problème. Donc, et ça que nous te dit, dans le cas d'assistance technique, nous kapote baye moun yo, faut que nous voyons comment organisateur bagaille là garder gestion relation mounyo dans l'exploitation de façon à ce que pour cap et moins de l'eau sans une pas besoin vous mettre à l'autre. Merci docteur Mathurin. Monsieur Joseph, vous avez une question? Bon, alors d'aller à bat casalé docteur Mathurin, donc moi saluer tout confrère au villa. Et moi, je dis, docteur Mathieu, merci beaucoup à lui, particulièrement moi-même. Donc, ça nous pense, nous connaissons que l'eau, le canal qui a construit comme il est là, il n'est pas assez vraiment pour la quantité de terre qui gagne. Mais, parce que si on si fait une bonne gestion de l'eau, et que l'on peut aider Mounio jusqu'à ce que nous joignions l'autre opportunité pour que gagne l'autre rivière qui tout prêt à tout. Que vous êtes capable de canaliser pour arriver sur la quantité de terre qui est disponible pour produire dans la zone. Merci, M. Joseph. Vous pouvez ajouter à ça, Dr. Mathurin. Oui, mais c'est ça, nous sommes élevés. Ah, oui. C'est que, étant donné que nous connaissons de l'eau, nous n'avons pas suffisant. Donc, c'est tout ça qui va passer en fonction de qui qualité ou relation qui est entre producteurs. Et qui forme d'organisation pour aller gérer de l'eau. Et c'est ça nous allons gagner pour nous avec Mounio. De sorte que si nous avons plus technique, nous avons porté dans la question et organisation, gestion de l'eau, et de façon à ce que nous puissions assurer que ça ne va pas venir objet de conflit supplémentaire entre Haïtiens. Merci, M. Guéry. Oui, moi, Guéryon. Alors, si vous avez un point qui n'est pas concerné seulement le canal, là, mais d'une façon générale, nous avons toujours remarqué que, en plus, le monde qui est dans le social, bon, y compris tout le bagage, ce canal, etc., etc., y a toujours besoin d'une assistance extérieure. Qui moyen, d'une façon générale, que le monde est capable de faire? C'est-à-dire, par exemple, pour un cas spécifique canal, ça,
que moun yo même yo ka occupé yo et personnellement de entretien canal là pour ça yo pas tant du gouvernement pour faire pour yo sans pour bagay yo là. Évidemment ça reprend point peut-être docteur Mathurin a parlé à point technique là, même parce que c'est très important que moun yo d'une façon générale que assumer destin yo. Pas tant l'état a fait bagay pour vous. Nous connaissons parfaitement parce que si nous pas capable river dans point ça d'ailleurs tout canal ça c'est parce que yo pas gain entretien que bagay c'est comme moun yo même faut yo joindre yo façon faut yo organiser yo de façon que yo même yo assumer entretien canal yo même. Docteur Mathurin? Oui, c'est ça qui fait que nous voir pas trop couper docteur Mathurin. On nous dit que, oui, nous allons aller ouais, ensemble avec eux. C'est un point extrêmement important. Et comment, et qui forme d'organisation, d'une part, pour gérer de l'eau, mais d'autre part, c'est que chaque canal d'irrigation, pas fin rembourré avec la boue et avec terre, avec rager. Donc, il faut une organisation sur gestion de l'eau et gestion infrastructure de l'eau. Les gens ont un bout de mur qui est cassé. Faut organisation qui a assuré et retaper pour permettre que gloire pas diffuser et en bas béton et perdu parce que c'est pas qu'un pas de canalisation dans pays a et même bagage ça a posé dans les organes il posé tout dans plein Okaï il posé dans plein Tobek il posé dans la Tibonite et c'est que très souvent mon yo attend c'est un appui technique extérieur si le ministère de l'agriculture pas venir il y a des bagages faut que je dis soit nous ka joine nous entente pour que yo capable di bon forme de contribution parce que tout bagay ça c'est qui est ce qui paye facture les travail là pral besoin pour le fait là nous remarquer que travail ça a fait tout haïtien prêt pour ba une contribution parce que bon bagay bon insulte que Dominique a fait qui réveiller solidarité nous qui réveiller nationalisme nous et qui très bon parce que nous besoin produit le plus que possible en dans pays. Mais pour nous produire en dans pays, nous besoin gain de l'eau. Donc nous besoin gain infrastructure pour porter de l'eau. Et faut nous entretenir infrastructure ça. Nous besoin crédit pour nous financer services que nous besoin pour faire une production, nous besoin. Nous besoin de marché qui garantit que nous ca écouler production que nous gal faire. Donc exact fait dans l'émission que nous avons participé, m'a te dit nous ça relait des stratégies de politique publique. Si on a besoin que le pays a produit manger pour répondre à besoin, à autonomie, le pays n'a pas de problème pour le produit manger. Mais c'est qui forme d'accompagnement qui a besoin. Et accompagnement organisationnel là, tout aussi important, en attendant que l'État arrive. Si nous avons entendu ça dans le département, nous avons besoin pour accepter ce canal là. Donc, il faut que nous avons besoin d'entendre tout pour nous entretenir le canal là. Il faut que nous entendre pour gérer de l'eau, pour ne pas bien engoumer une autre. Certainement, si le travail organisationnel n'a pas fait dans le périmètre là, merci. Merci, docteur Mathurin. Monsieur Guéry, avant de ou bon, monsieur Garnier, gamin levons bon petit moment là, bon, bah, monsieur Garnier pose question là, et puis ma retourne avant encore, monsieur Guéry. Moi-même, moi, excusez-moi, même problème, moi, hein, c'est problème, même genre, j'ai même problème là avec docteur Mathurin, dans le sens que Napton, aux questions que n'attendent au gouvernement et au monde qui pour gouvernement prend bail en main pour venir aider alors que normalement tout côté tout projet ça c'est toujours faut un comité de gestion. Allô, je l'entends très bien. Oui, nous avons un comité de gestion avec des objectifs très clairs et puis des échéanciers. Et puis, nous avons charte. Nous avons charte, et puis qui y a des règlements, comment le comité a fonctionné pour atteindre tel but. Lorsque vous gagnez, comme si nous avons un comité qui n'est pas nécessairement, comme on a dit ça, est bénévole seulement. C'est-à-dire qu'il faut chercher l'argent pour être capable de gagner l'argent pour fonctionner normalement. Donc, il est capable de gagner un budget. Donc, nous sommes capables de bassin tout au début de l'entrée de loi qui pourra le prendre alluvion, sédiment, et puis pour, qui est capable de nettoyer au lieu que ça a le prendre jusqu'en bas. Donc, ça, c'est un barrette technique. Mais normalement, comme le docteur Mathieu a dit,
Jean la partie là, sont question de patriotisme, sont question d'orgueil, sont question de pays. Mais après 2-3 mois, le Sakonia là, Gangouna Komoun, tout le ça, qui compte pour avec lui? Maintenant, tel que nous allons aller oser, qui ça nous va planter là-dedans? Et qui conditions, comme si dit, de partage, et puis qui genre de choses que nous allons mettre là-dedans? Comment nous allons faire ça? Donc, il faut avoir une planification. Pour gagner un échéancier, puis il faut qu'on exactement comment ou gérer. Donc, même quoi que ça, c'est faut une stratégie et faut une stratégie globale. Ensuite, on va gagner une stratégie fonctionnelle. Donc, c'est pour ça que on croit que toute bagaille dans le pays a été doué et fonctionner. Donc, à partir de ça, lorsqu'on gagne initiative, on commence le travail en nous-mêmes. On est là, on est capable de faire une demande dans le gouvernement pour les dos. Mais nous ne pouvons pas être comme ça, attendre que ce gouvernement fait. Le gouvernement, pour qu'on parle, il n'y a pas de personne qui connaît, nous pas d'infrastructure. Nous n'avons rien qui est capable de dans ce sens-là. Pourquoi que nous pas fait pour nous mettre en tête, nous, que nous n'avons aucun gouvernement qui a fait, fait aucun rien pour nous. Donc, c'est que là, nous engageons, nous commençons à bagaille, il faut nous planifier, pour nous prendre côté, nous prendre côté, nous sortir côté, nous prendre comment. Pas qui moyen nous va faire pour nous arriver côté nous pour arriver à. Le ça n'a pas que tout va changer. Merci M. Garnier, docteur Mathieu, je ne sais pas qu'on est sous bon bail pour ajouter, sinon ça va M. Garnier. C'est pour ça que nous faisons pour tout mi-temps et nous avons non seulement de monde qui condamne, nous avons des réseaux de monde que nous avons contacté dans le domaine irrigation, mais c'est pas et ça que nous avons tout, c'est pas besoin de loi seulement. Viabilité, ça n'a pas fait, durabilité libre, elle dépend de qui j'en l'a géré. Et comme nous connaissons que mon paquet d'infrastructures concernant le pays qui est à l'abandon, parce que nous étions toujours à compter sur l'État, moi-même, j'ai fait un travail avec Agro-Action Allemande et Saint-Michel de la Talaye pour prendre prise de l'eau pour le porter à l'aider, nous avons fait légumes. Et c'est des légumes qui vendent extrêmement cher. On a parlé de oignons, on a parlé de échalotes, des bagailles comme ça. Et dernière fois, je suis passé dans le périmètre ça, tout le canal là au fin rempli, parce que mon manque de prise de responsabilité citoyenne dans la zone côté infrastructure, ça a eu. Donc, oui, bon éducation qui doit aller vers nous pour dire que nous pas tout le temps gagner assistance technique étrangère. Gagner une responsabilité, il faut que nous-mêmes cap exploiter, cap tirer avantage de droits, d'infrastructures, il faut que nous quittions un petit minimum qui prend le nom caisse qui permet que nous entretenions et parler. Oh, j'ai l'impression que Dr. Mathurin est retombé encore. Bah, on est, et il est déjà 5h51. Well, et bah, non, c'est nous que nous sous Facebook Live. Monsieur Guéry, si en même temps son suggestion ou bien une question, bah qu'on est souvelé parler pour nous. Oui. Oui, m'a parlé, c'est pas une suggestion, c'est même une bagaille d'une qui même général, même pas concerné canal là en particulier. Mm-hmm. Et qui en ça docteur Mathieu t'a parlé de humiliation, donc monsieur Garnier t'a parlé de pas gain l'état, pas gain gouvernement. Mais voilà que nous gain m'a juste illustrer ça pour nous. Voilà que tu as une réunion que tu as faite l'autre jour là, et mon livre est à peine fini. Il y a discuté de Haïti, mais pas aucun gouvernement haïtien qui l'a donné. Voilà. Il a discuté de ça. On était là, on entend M. Dr. Mathurin, entre-temps. Non, sous même deuxième. Non, mais ma boîte à pire là. Oui, moi d'accord avec vous. Message là, mes messages me se voient que après que le président Abinader a rencontré avec Joe Biden, voilà que Kounia là, c'est vice-président Dominique qui parle à côté avec la communauté haïtienne de la diaspora. Par contre, c'est vrai. Bon. Donc, et bon, diaspora a une attitude pour l'adopter là. Comment faire ces mon ça va raconter. Je vais pour diaspora pour le compte qui attitude pour le prendre. Entre temps, docteur Mathurin remonté, temps avancé, il est en 5h52 minutes. Nous fait nous connaît encore, il temps pour te approcher. Gain un website, nous cap visiter, il est actif, c'est canal Potomitan. www.canalpotomitan. Canal écrit kanalpotomitan.com. Li gen on link la dan sou vle contribuer pour supporter canal lan. Ou après lan link lan ki gon GoFundMe ou ap ka bay so kapab. $1 jusqu'à $50,000, $100,000 so kapab pour supporter parce que et travail lan tanmen la nou si la besoin l'argent pour continuer
Tant qu'on donne des docteurs Mathurin te dit, pour avoir irrigation pour faire comment pour de l'eau en séparé, pour avoir un côté pour nous avoir besoin de pesticides, engrais et matériaux, tout ça a besoin, donc on a besoin de l'argent, j'en dis, hein, nous pas qu'à compter sous l'État, par comportement l'État. Donc, il faut nous prendre tête en main. L'emploi, nous, qui s'est sorti. Mais tiens, c'est ça, nous pas fort dans ça. Sous le coup de l'émotion, on a fait canal et puis il faut nous prévoir, Jean-Monsieur Garnier dit, hein, comment on va faire maintenant ça pour nous quimber pour la lancer 6 mois, 8 mois et puis pas gagner dans le canal. Ensuite, indépendance, autonomie et ça, c'est point clé. Vigilance, tout. Vigilance et puis c'est changer à poids, Jean-Noël, on a à interact avec l'autre, mais plus important, nous, depuis le mouvement canal, c'est mot ça en pile qui vient dans la conversation nous en haïtien, indépendance, autonomie. Et moi-même, moi, j'étais quoi, canal, c'est un sonnette d'alarme pour nous changer approche dans le comportement nous, et là, ça n'a fait pour payer nous, pour nous comprendre tout, gain doit gagner 20 organisations qui fait même ça n'a fait, non, mais à la fin du jour, nous tous gagnons même objectif là. Donc, autant dont l'autre organisation a fondé pour le canal, là, le plus important, c'est nous mettre ensemble pour nous faire aller vers le même but. Donc, tant que le proverbe dit, l'union fait la force. Donc, c'est ça qui est important. Tap, bye, docteur Mathurin, il est beaucoup monté toujours. Le a avancé. Oh, docteur Mathurin, nous avons une information www.canalpotomitan.com. Pour tout le monde qui voulait aider, supporter. Et nous avons l'autre organisation qui a rejoint nous, bien nous a rejoint nous. Même objectif. Docteur Mathurin, affichez quand même adresse groupe là. Et affichez adresse groupe là pour nous sur. Par contre, si technologie t'a qu'à partager avec nous, parce que son bail au dernier moment, t'a qu'à partager avec nous website dans ce groupe là. Mais mettez-le sous chaque groupe là déjà www.canalpotomitan.com, canal écrit KANAL, canalpotomitan.com. OK. Et puis donc qui gagne un compte GoFundMe canal Potomitan. Nous ka commencer bay docteur Mathieu là nous ka commencer bay san gagne bay petit pa chiche, c'est contribution pa nous, c'est support pa nous. Vers un meilleur Haïti, un Haïti que tout le monde qui travaille, qui a accès à manger. Maintenant, et ce n'est pas seulement nous-mêmes, c'est faire circuler le plus large que possible et les uns aux autres et permettre à ce que le plus de monde qui est capable d'aider nous et bah, écoute, mais, hein, la vitile. Bonsoir, Madame Chérisa. Je voulais annoncer, Dr. Mathurin, bon, on dit merci. Nous monter website en 2 semaines. Nous dit Teked avec M. Patrick Cardozo. Merci. Matt participé dans la conversation. Docteur Mathurin tout en voyage. Mais merci spécial à Patrick Cardozo et à Teked qui travaille toute la nuit. En une semaine, nous monter website et fait tout ça en sur website. Merci. Okay. Et c'est un plaisir de travailler avec nous. Ma profiter pour me rappeler que les photomitans ont quantité de monde ou quantité d'experts. Une quantité de monde de très bonne volonté en d'un pays à temps pour dehors. Et qu'à regarder par tous les moyens comment pour aider Potomitan répondre au mieux que possible à service que la communauté a besoin. Ça, c'est une adhésion que la communauté a besoin. Et nous ne pouvons pas suspendre remercier Patrick et Cardozo. Nous ne pouvons pas suspendre remercier Maurice Laroche. Nous ne pouvons pas suspendre remercier Mia. Et Madame Théa et tout le monde Potomitan qui est campé ensemble avec nous pour promouvoir et défendre sa guerre pour utile pays. Dans ce sens, et sous premier et partie présentation et concernant et ta situation par rapport au projet Zone Franche Oasis Village International que national a promouvoir. Tout citoyen haïtien yo, et pour nous faire message ça yo, passer pour nous à travers tout groupe et tout monde que nous carrelé qui pour ta permettre que nous joignent autorisation là bon tout appui nous capoter pour permettre que Potomitan porter un appui technique réel et effectif by et équipe qui travaille sur canal là la tout aussi important. M'a quitté madame et Marie Alice à mettez dernier mot me connaît que gagne des problèmes de et c'est coordonnatrice nationale Potomitan et n'est pas capable de payer le luxe
pour nous faire réunion, nous attendre que le tapis soit ouvert, il n'est pas capable d'ouvrir parce que le signal est difficile. Donc, comme il est ensemble avec nous là, m'a quitté lui pour le mettre et dernier mot à vous. Nous, ça vous pensez, Mia? D'accord, à vous, oui. Matt, à toi. On est tout le monde. Merci que nous t'ayons été constant dans la réunion, malgré tout va-et-vient que nous gagnons. Petite à Zoom. Nan. Ça, moi, je voulais rappeler nous, l'économie dominicaine qu'on y a, li florissant, mais c'est en pile grâce à Haïtiens. Parce que c'est Haïtiens qui l'ont construction, c'est eux-mêmes qui l'agriculture, c'est eux qui l'ont service, c'est eux qui l'ont pile bagaille qui fait que Dominique a florissant. Donc, moi, je crois que qu'on y a un moment arrivé pour que nous mettions les épaules, nous collions une avec les épaules, l'autre, nous mis par nous, vignes florissantes. Ce n'est pas une affaire de signature de Ariel Henry ni de gouvernement. Ce sont affaires de pays qui ont parlé là. Donc, c'est pour vous. Matt, on ne t'entend plus. Allô, Matt, signal Matt perdu, oui. Signal m'a perdu et 5h59, Dr. Mathieu, on voulait continuer pour lui. S'il remontait, ce serait bien. Oui. Vous avez entendu les derniers mots. L'idée, c'est que nous avons voilà. Mathieu est là? Non. Bon, m'a tombé encore. Dr. Mathieu, non, tu as les dernières minutes. Bon, et Dr. Mathurin, on t'y a pas de couper tout. Oui, d'abord, que nous aider en pile et à la fois parce que nous représentons. Moi, là, oui, je vais tourner. Voilà, Mathia, une dernière minute. Dr. Mathurin, Math est de retour. Et sur ce, nous pas connaissons cette technologie pour le faire nous. Tout le monde qui a participé dans Zoom, ça me tout profiter de Zoom. Merci. Matt, la dernière minute pour toi et on ferme. Oui, moi je dis merci à Yveline, merci à Fred, merci en pile à Teken. Merci en pile à M. Patrick Cardozo. Merci à Duponté et Duponté. Merci que soutenez nous et demandez tout le monde, tant pis. Essayez de parler l'un à l'autre. Essayez de faire une petite publicité pour bagaille ça à tout. Parce que ça fait mal. Là, moi, je n'ai pas fait publicité pour l'autre monde sur Potomitan et nous pas fait publicité pour Potomitan sur l'autre monde. Merci en pile. Respect tout le monde. En pile l'amour. Partagez l'amour. C'est celle à manger. Merci, Matt. Merci, Dr. Mathurin. T'es bon, mon l'autre opportunité pour me déposer support, Pam. J'en ai un ticket sur partager l'écran avec nous. www.canalpotomitan, K-A-N-A-L. Koun fini là, invite on l'autre moun, voyez le ba on l'autre moun, partagez l'on l'autre moun. Nous te gen droit, te gon l'autre, nous te l'on l'autre groupe qui prend initiative, fait même bagan la gofond mien. Pas oublier tout l'argent pour aller seul côté, son seul objectif là. L'union fait la force. Merci encore. Partagez Zoom là à l'autre monde. Nous connaissons le prochain Zoom. Invitons l'autre monde tout pour venir participer à la conversation importante. Ça. Merci tout le monde et bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci en pile.